Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. La session budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale ce jeudi. C'était au tour des ministres en charge du système éducatif guinéen. Les débats ont été focalisés sur la crise que connaît l'école guinéenne depuis octobre dernier. Une Guinée sans plastique, c'est le rêve d'une dame comptable de profession. Mariam a décidé de tout abandonner pour s'occuper des déchets plastiques qu'elle utilise pour faire des dallettes. Vous allez le voir, l'initiative lui donne un boulot et une possibilité d'embaucher des jeunes. De plus en plus de migrants tentent désormais de traverser la Manche en bateau. Certains l'ont payé de leur vie. Il s'agit des migrants qui se sont trouvés bloqués à Calais en France en 2016.